Et salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit peu de maroquinerie. Alors je suis pas maroquinier, je suis encore en apprentissage. Donc tous les spécialistes du cuir, c'est pas la peine de s'enflammer dans les commentaires si je fais des erreurs. Je vais forcément en faire ou pas forcément bien pratiquer certaines techniques. J'ai les notions bien évidemment. Donc si je fais des erreurs, faut le dire, mais à partir du moment que ce soit pas des commentaires agressifs, ça sert à rien, je veux dire avec politesse et gentillesse, et tout va pour le mieux. Alors le son, normalement le son ça devrait être correct, je suis pas ingénieur son non plus, sachant que c'est assez compliqué à faire quand on fait des vidéos ou du streaming, je sais que tout le monde galère un petit peu avec ça. Donc j'ai acheté un petit micro cravate. Je suis pas hyper satisfait du son qu'il donne, mais on va faire avec et puis ça va. Alors ça se peut que va falloir régler peut-être le volume chez vous. Moi j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, c'est plus ou moins bien, mais bon voilà, à vous de régler les paramètres de votre côté. Aujourd'hui on va faire un petit bracelet, donc un petit exercice, rien de très compliqué, franchement c'est simple à réaliser. Mais il faut que je continue de m'exercer à fond. Donc voilà, on va essayer de reproduire ce petit bracelet. Donc, c'est moi qui l'ai fait déjà celui-là. Mais on va essayer de refaire le même. Et puis voilà, ça m'en fera deux. Donc je change de scène. Et puis on va attaquer ça tout de suite. Alors voilà, du coup, le fameux bracelet. Alors j'ai récupéré une chute que j'avais sous la main. Il est un peu souple celui-là. Il doit faire 2 mm d'épaisseur, par contre il se dépiote un petit peu, je vais mettre ça devant la caméra, voilà, côté cher, il part un peu en lambeau, donc je sais pas, on va voir ce que ça donne, c'est pas grave, au pire ça restera accessoirement un prototype. Et alors il n'y a pas besoin de beaucoup d'outillage, moi je vais utiliser un strap cutter, voilà, ça ressemble à un genre de trusquin, sauf qu'il y a une lame au bout, c'est très pratique ce truc, hein. Je pourrais pas vous dire le tarif parce que je m'en souviens plus tout simplement. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors c'est sûr, vous pouvez le faire avec tout simplement au cutter, hein, au cutter ou avec un scalpel. Ça marche aussi très bien. Mais avec ça, c'est cool parce qu'on est très droit et c'est franchement pas mal. Il faut juste avoir un côté de cuir qui soit droit aussi pour que ça longe la coupe. Donc voilà. Alors je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas un tuto, hein, c'est pas du tout un tuto, j'ai pas spécialement de conseils à donner, je vais juste vous montrer comment moi je procède, et puis c'est vraiment un petit exercice en fait, un petit exercice très simple. Ceci dit, vous pouvez quand même le faire chez vous, il n'y a aucun souci pour ceux et celles qui veulent un petit bracelet sympa. Alors, je vais prendre la mesure, du coup on va partir sur cette même mesure. Normalement, ouais, la caméra elle est plus ou moins bien centrée. Bon, j'ai mis mes petits gants parce que là, je commence à me les cailler dans l'atelier. Et voilà. Du coup, alors celui-là, il est un petit peu grand parce qu'à la base, c'était pas pour moi. Donc voilà, je vais peut-être le faire plus court. Mais par contre, la largeur me convient parfaitement. On va déjà commencer à découper le morceau. Et je pense que ça devrait le faire. En termes de longueur, ouais, c'est parfait même. On va essayer de récupérer les chutes de cuir, ce serait dommage d'en gaspiller. Alors, un strap cutter, hein, faut pas confondre avec un strop. Sauf que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça, c'est un strop. Donc c'est pour affûter un petit peu tout ce que vous avez de tranchant. Un strop, ça c'est un strap. Encore des termes techniques à la gomme. Là,
Alors du coup c'est parti, je vais juste l'agrandir pour prendre la bonne mesure. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop, j'arrive à le retirer parce que du coup il y a la pression. Voilà, nickel. Et ça fait 3 cm. Ouais, c'est pas mal ça. Alors je ferai peut-être un petit montage, c'est peut-être je vais faire un petit montage un petit montage vidéo par-dessus. Les musiques, alors je suis désolé pour les musiques aussi à titre informatif parce que c'est tellement chiant les droits d'auteur et compagnie que j'ai mis à défiler une playlist des musiques YouTube. Alors elles sont pas terribles, je sais, c'est pas forcément mes goûts non plus. Mais bon ça va, ça passe, c'est du rock. Et j'espère que YouTube va pas me faire chier pardon avec ça, parce que c'est eux qui les proposent. Donc c'est tellement compliqué que voilà, on va faire avec. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. En tout cas, si c'est pas vos goûts, désolé. Désolé, mais c'est comme ça. Alors, normalement, si je tire, il faut y aller tranquille. Si vous voyez bien, j'ai baissé la caméra un petit peu. Donc là, on va faire une petite vidéo parlante. Peut-être un peu trop serré là. Faut y aller tranquille. Faut vraiment que ce soit droit sur le côté parce que sinon ça recopie les erreurs. Il est relativement souple ce cuir là. Alors c'est du tannage végétal, hein. C'est de la vachette. Ouais, il fait plein de petites couches partout. Ça peut être un peu chiant, je pense, après pour la teinture. Ouais, c'est pas mal. Pas du tout le même que le bracelet précédent. Mais ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai un autre bracelet sous la main qui serait plus à ma taille? Alors voilà, là j'en ai un autre que j'avais fait mais je l'avais un peu loupé. J'ai un peu foiré la teinture. Alors le problème c'est que j'avais acheté du cuir au kilo et la moitié du cuir que je possède a été imperméabilisé, donc pour faire les teintures, le repoussage, c'est un gros bordel. À chaque fois je galère. Pour faire le repoussage, faut humidifier un peu son cuir. Pour faire la teinture, donc j'utilise de la teinture à base d'eau, base aqueuse, mais il faut aussi humidifier le cuir, et comme il a été imperméabilisé, ça prend pas spécialement, donc c'est très chiant et je galère très souvent avec ça. Mais bon, on va faire avec ce que j'ai sous la main. Alors, on va utiliser ça, les espèces d'emporte-pièces, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est quand même très pratique. Par contre, faire attention à ne pas se couper parce que c'est très tranchant. Voilà, ça c'est une bonne taille. Et il me faut un marteau. Allez, du coup, c'est parti. On va essayer de économiser un maximum de cuir. Et on va essayer de le faire centré. Alors je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà, là c'est mieux. La caméra est plus près. Alors, il faut bien se centrer. Parce qu'après c'est trop tard. Alors ça risque de faire un petit peu de bruit avec le marteau. Sinon je baisserai le son au montage. Je fais ça un petit peu à l'œil. Ça coupe bien ça. Nickel, il y a un côté qui est fait. Regardez cette cote, c'est très bien. Pareil, le centrer. À l'œil, mais c'est pas mal. Alors le cuir, je dirais que c'est un petit peu comme en cuisine. Pourquoi? Parce que en cuisine, il y a plusieurs recettes pour faire un même plat, et je dirais que le cuir, il y a plusieurs façons de procéder.
pour avoir le même résultat au final. Donc je, ouais, peu importe comment chacun procède, l'essentiel c'est le résultat final. Alors maintenant, il va falloir que j'humidifie le cuir pour faire un trait décoratif en utilisant un fermoir. Donc le fermoir, voilà mon éponge est en train de la flotte partout. Le fermoir, bon, celui-là il est en plastique, PVC, ABS, je sais pas trop. Mais il en existe en bois, et je sais que celui-là, alors celui-là il est bien, parce que ce fermoir il peut se retirer, tout simplement. Ça c'est bien pour mettre en forme dans des petites pochettes. Et ça c'est super pratique lorsque vous avez des arrondis à faire. C'est carrément bien. Alors il y a deux côtés différents, moi je les ai repérés. Coup de marqueur, bon, je les ai un petit peu gravés à l'intérieur pour pas que le marqueur se barre. Mais faut vraiment faire attention à ça, hein. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Alors, petit coup d'éponge. Je pense que celui-là, il a été aussi imperméabilisé, mon cuir. Du coup, c'est pas sûr que la flotte pénètre bien dedans, sur la fleur du cuir. Mais c'est bien, hein, ça, c'est des bons petits exercices à faire, pour s'entraîner. Je pense que c'est un bon début de commencer par ces petites choses. Ouais, c'est pas mal, ça a l'air de prendre un peu quand même. Elle est quasiment sèche, mon éponge, là, en fait, elle a séché. Bon, vous verrez dans la vidéo, je ferai sûrement des commentaires en voix off, hein, c'est possible. Ne vous étonnez pas si ça change un petit peu de temps en temps. Alors, maintenant, je vais pouvoir utiliser le fermoir. Et je vais prendre le côté A pour moi. Et par contre, je vais faire des traits décoratifs juste sur la longueur. Hein. Je vais pas suivre les arrondis. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Je vais faire ça juste sur la longueur. Il faut faire des petits mouvements, il me semble, pour bien que ça chauffe. C'est assez cool à faire. Alors je sais qu'après il faut mettre un petit coup de comment ça s'appelle de d'abacar pour faire un petit chanfrein sur les côtés parce que sinon ça, on voit la coupe et ça fait pas terrible. Et en même temps mon abacar il est pas terrible non plus, c'est une taille 1. Et je crois qu'il commence à se désaffûter et des fois ça me fait un peu du travail de daube. Mais tant pis, du coup j'ai que celui-là. Ça fera l'affaire. Je le ferai à la fin. Du coup d'abacar, je vais même le faire après la teinture parce que mon cuir il a tendance à se plier et j'avoue que c'est chiant. Alors je suis droitier, vous n'allez peut-être pas très bien voir là, donc je vais essayer de mettre comme ça pour que la caméra ça passe mieux. J'espère que le son il est toujours bon. Y a rien de très compliqué, mais c'est pas désagréable à faire. Je dirais que le plus chiant c'est la teinture. On va essayer de lui donner un petit côté vieilli. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Enfin, moi ça me plaît bien. Voilà, donc c'est quasiment fait ça. Maintenant, je vais choisir des petites pressions. Je vais plus faire des petits motifs, mais on en fera d'autres dans des prochaines vidéos. Alors ça, c'est cool, hein. Ça, c'est très pratique. C'est pas de la très haute gamme non plus, mais c'est quand même très pratique. Alors, quelle couleur on va pouvoir prendre ? Je dirais que ce serait en fonction de la teinture, donc on va voir ça après. Je vais déjà faire un petit repère au niveau. Je vais prendre ça, c'est pratique aussi. Pour savoir où est-ce que je perce après. Et on va pouvoir attaquer un petit peu la teinture. Pas trop serré non plus, mais il faut que ça tienne quand même. Ça me paraît pas mal ça. Il faut vraiment faire attention avec les ongles.
parce que ça marque. Je verrais bien ça par là. Ah, ça y est, j'ai fait une marque déjà avec avec maison, mais c'est pas grave. On va pile poil. Pile poil. Je vais faire un trou quand même, parce que je vais pouvoir le mieux le marquer de l'autre côté. C'est assez pratique comme truc. Voilà, je suis en train de le massacrer un peu le cuir. J'aurais dû faire un trou avant. Tout à l'heure, quand je l'avais mis, il était bien là, je l'avais fait. Ça me gêne pas trop, là c'est pas mal. Et là c'est bon. Du coup je l'ai pas très centré mais... Par à côté normalement la pression devrait cacher un petit peu... Ah si ça va. Juste un millimètre de côté. Non, normalement je perce pas avec ça mais... Là c'est vraiment juste pour marquer. Je vais prendre la pince revolver et puis je vais faire un petit trou. Et non, je vais même pas prendre la pince revolver parce que du coup, je crois que j'ai même pas la bonne taille. Je vais prendre directement ce qui est fourni avec les trucs. Je vais pas prendre trop de risques. Je vais prendre un martyr. Alors du coup, de toute façon, je crois que j'en ai qu'un seul. Là, ils sont plus petits. Ah non, mais je me suis gouré. Je suis con, c'est des rivets que j'ai pris. Là. C'est pas ça que je veux. Moi. Faut vraiment faire ça tranquillement. Hein. Faut prendre son temps. Ça sert à rien de se speeder. C'est comme ça qu'on fait des bêtises. Il m'est arrivé, je sais où je les ai mis, ils sont là, je suis con. C'est ça que je voulais. Hop là. Ah, effectivement, c'est pas les mêmes, donc pas se planter. Enfin, faut pas les... C'est pas forcément les mêmes, mais. Enfin, je vais virer ce qu'il y a dedans. C'est pratique quand même. Ça, c'est très pratique ça. Une espèce de petite pince, une espèce de petit pic à. Pour faire de la sculpture sur de la terre cuite. Pour ça c'est très pratique. Juste en profiter pour vérifier en même temps du coup l'emporte-pièce qui est fourni avec l'autre boîte, de toute façon c'est les mêmes. Ah ouais c'est le même diamètre. Bon bah c'est bon à savoir pour moi. C'est bon à savoir. Et ça j'en ai pas besoin. Alors, du coup, un petit coup d'emporte-pièce. Ça c'est pareil, hein, faut vraiment prendre son temps et puis bien viser, enfin le faire bien le centrer. Parce qu'une fois que c'est fait, bah, c'est trop tard après. Et là je suis pas mal. Taper mais ça va. Attends, on voit les marques. Alors là ça va ressortir les traces d'ongles, hein. Faut vraiment faire gaffe avec ça parce que là ça va ressortir derrière une fois que je vais teindre, mais tant pis, c'est trop tard, il faut vraiment faire attention à ça. Parfait, c'est nickel. J'essaie de montrer à la caméra ce que ça donne un petit peu. Ah, le strap cutter c'est bien parce que ça fait quand même des belles coupes. C'est parce qu'au cutter des fois ou au scalpel c'est pas toujours. Enfin, c'est des coups à dériver assez facilement et voilà. Faut faire gaffe à ça. Les rivets on les mettra en dernier. On va faire un petit peu de teinture. Donc je vais protéger un peu de table. Une espèce de tapis. La teinture ça devrait sécher assez vite. Hop, on va mettre ça là-dessus, c'est très bien. Alors, ma teinture, je l'ai mis où ? Là. Et là, je vais utiliser un truc de chez EcoFlow. Ils sont pas mal ces teintures, hein. Ils sont vraiment bien. Et c'est une couleur canyon. Alors, on va mettre un petit coup d'éponge dessus. Que ce soit uniforme quand même. Au niveau de la teinture.
Alors moi je mets un coup d'éponge sur la fleur, si ça se trouve faut le faire côté chat aussi, j'en sais rien, mais bon, on verra ce que ça donne. Normalement ça devrait le faire. Enfin, comme il est imperméabilisé celui-là aussi, ça risque de faire des nuances. Du coup on va partir sur un petit effet vieilli. On va tricher un peu parce que je sais que ma teinture elle va pas prendre. Je le sais à l'avance. Du coup on va lui donner un petit effet vieilli. Il n'est pas désagréable non plus. Un petit peu de travers là, mais bon, c'est pas grave. Ça va rester comme ça. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit pinceau? Voilà, le petit tampon de mousse. Alors, je vais pas le diluer. Je vais le mettre pur. Quoique si, je vais quand même le diluer pour que ça prenne bien. Je vais le diluer un tout petit peu, mais vraiment léger. Histoire que ça soit bien réparti sur le cuir. Bien que ça se répande. Un peu au feeling. Voilà, j'ai mis un petit peu de teinture sur le petit tampon de mousse. Et là, j'ai mis un petit peu moins de 5 mm d'eau. Donc, je suis un peu au feeling. Là. Du coup, ça fait la balle de teinture. Donc, j'ai mis un peu trop d'eau. Ça c'est pratique, c'est les petits bouchons de sirop et de bambou, de tous ces petits trucs là. Donc les gardes, ils sont vraiment bien. Petites graduations qui sont marquées dessus. Je pense que c'est pas mal. Alors on va voir ce que ça donne. Je vous promets rien. Normalement, il faut mettre un peu de teinture. Alors je crois qu'il faut diluer la teinture un petit peu et il faut en répondre partout à l'éponge. Et ensuite, vous pouvez mettre de la teinture pure, mais vous essuyez avec un petit chiffon de lin. Donc vous tapotez un petit peu sur le journal pour pas qu'il y en ait trop et que ça fasse des... Voilà. Normalement, vous mettez et vous essuyez direct. D'où notre chiffon. Il me semble. C'est une technique qu'on pas mal utilise. J'en ai peut-être mis beaucoup là. Moi je vais pas faire comme ça, je vais le faire direct en entier. Et je vais même m'en servir après pour mettre un petit peu de teinture. Pour faire de la teinture de tranche, enfin pour faire les tranches. Ouais c'est pas mal ça. Je vais en mettre d'autres, de toute façon je vais en mettre du pur pour faire un petit côté plus foncé. Enfin, attention parce que ça peut baver derrière. C'est assez compliqué à faire, hein. Franchement, j'avoue que c'est pas toujours simple. C'est un métier qui est pas très facile. Mais c'est comme tout, il faut pratiquer. Et là, c'est un petit peu l'objectif de la vidéo. Petit exercice. Ah, c'est pas mal, hein. Enfin, moi, ça me plaît bien toujours. Là, ça a l'air de bien prendre ce cuir. Et l'autre, je me souviens, j'avais galéré. En fait, vous voyez, attendez, je vais déjà essuyer un petit peu. Plein les doigts, c'est génial. Je vais mettre d'autres plombs. On va le laisser prendre un petit peu. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En fait, ce cuir là, il n'avait pas pris la dernière fois parce que je crois qu'il était imperméabilisé et ça fait des espèces de petites nuances. Parce que j'avais mis un petit logo dessus qui est complètement loupé. Et d'ailleurs, je pensais encore pire. Alors, côté cher, je dilue tout le temps parce que ça boit tellement. Mais il faut faire attention quand on dilue à pas mettre trop d'eau. Pareil, comme les finitions, il y en a certains qui mettent de l'huile dessus pour le nourrir et l'assouplir. Et en fait, si vous mettez trop d'huile et vous mettez directement dessus comme ça, en fait, ça fait des grosses nuances, des grosses taches. Et bah c'est horrible. Voilà, j'avais complètement foiré le truc, je crois que c'est pour ça que j'avais pas terminé d'ailleurs. Donc je vois ce que je peux faire, peut-être en revêtement ou en doublant pour cacher ça. Faut que je repasse ça. Mais en fait mon cuir il avait pas pris et celui-là j'avais mis 2-3 couches en pur. Un peu comme j'ai fait là, j'avais dilué la première couche et les deux autres après j'avais mis de la teinture pure dessus et puis en plusieurs couches. Et voilà, du coup ça m'avait fait un beau résultat, j'étais assez fier. Et celui-là, bah voilà, je prenais pas, donc ça fait un peu dégueulasse. Après, il y a moyen de jouer un petit peu avec ça, je pense. Il fait un petit effet de petites nuances, encore un petit côté vieilli. Enfin, bon, le coup, j'avais foiré, mais en fait,
J'avais trop tapé dessus et le fait d'avoir mis de la teinture par-dessus, ça a gonflé tous les contours et la police des lettres, enfin les caractères, on les voit pas beaucoup. Enfin, déjà que mon petit matoir, les caractères sont très très fins, mais bon, c'est pas grave. Faut continuer à s'exercer. Alors là, plus j'en mets, plus je fonce. Je le veux un peu plus foncé. En fait, j'ai peut-être bien même pas besoin de mettre de pur. Je vais le laisser comme ça diluer. À force d'en mettre, ça va finir par foncer gentiment mon bracelet. Peut-être si je fais des ronds, ça sera peut-être mieux. Peut-être, ouais. Peut-être. Bah, ça prend bien. C'est pas la même teinture que l'autre, hein. Ça c'est du Canyon, hein. L'autre j'avais mis du, je sais plus quoi, marron moyen ou quelque chose comme ça. Attends, on va prendre un petit peu. Je vais en profiter pour faire un petit peu la teinture de tranche, parce que c'est bien de faire ça quand ça reste un petit peu humide. Je vais garder cette même couleur pour les côtés. De toute façon, lorsque je vais faire un petit coup de brunissoir dessus, ça va le foncer de toute manière. Faut que j'oublie de faire la baccar aussi. Et comme la teinture fait un petit effet plastique sur le cuir qui est vraiment pas désagréable au toucher, comme mon cuir est un peu souple, des fois mon abacar il me plie mon cuir, enfin il me le déchique. C'est peut-être un problème d'affûtage aussi de mon outil. Je fais exprès de le faire en dernier. Comme la teinture durcit un petit peu le cuir, je veux tester ça justement. Je fais mon expérience tout seul en fait. Ah, je me fais attaquer par des papillons. Moi, je devrais le faire dans la foulée après de la gomme arabique ou aradran. Putain, je savais pas le dire. À Dragante. De la gomme à Dragante ou arabique. Enfin, des termes à dormir debout. Faire attention de ne pas en mettre dessous. Éviter de trop déborder. Ça, c'est assez pratique, hein, comme petit outil. Très pratique, ça. C'est de la mousse. Une petite éponge. Du coup, je suis en train de faire ça, mais on voit plus à la caméra. Là. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît bien. On va aller remettre une petite couche sur le dessus. On a peut-être mis un peu beaucoup de teinture. Essayer de bien le foncer quand même. Faire des petits ronds. Bon, ça sera toujours mieux en ligne droite. Je sais pas. Alors, j'ai mon petit tampon de mousse là qui commence à s'éplucher un petit peu. Je vais fermer mon pot de teinture avant de faire des bêtises. Alors c'est celui-là, hein, très connu comme marque. Alors c'est les miens, hein. J'ai aucun partenariat. Tout ce que j'ai dans l'atelier, c'est acheté de ma poche. J'évite le placement de produits en général, mais bon. De toute façon, il y a des marques de partout, donc on peut pas trop les cacher. Pas grave, on s'en fout. C'est un bon produit, ça, j'aime bien. Alors il y a d'autres marques, hein. Les produits sont corrects. Faut les tester, faut les essayer. Ouais, j'ai ma mousse qui me met des petits morceaux partout. Oula, je suis pas bien. Donc là, je vais attendre que ça prenne un petit peu et je vais remettre un petit coup de chiffon par-dessus. Ça va, j'en ai pas trop sur les doigts pour une fois. Ça peut être pas mal. J'aime bien faire ça, c'est cool. Mousse.
Est-ce que je le fais derrière? Je l'avais fait sur l'autre? Non, j'avais laissé couleur nature, disons. J'aurais pu en mettre derrière, mais j'ai peur du résultat en fait. J'aurais bien voulu mettre du plus foncé, ou je vais recommencer de mettre un petit peu de en dilué comme ça. J'ai peut-être préparé un petit peu beaucoup là. Ça sèche assez vite. Essayer d'insister un peu plus. Ah, la couleur est sympa. Je suis content, ça a bien pris. Je pense pas qu'il y aura besoin de faire un petit effet vieilli. Des bonnes petites idées cadeaux, ça, pour les papas ou même les enfants, hein, à Noël ou pour les anniversaires. Ça peut être une bonne idée, je trouve. Je vais en mettre un peu plus quand même. Ah, est-ce que de baver un peu par contre? Pas grave, on va tester. Je sais pas si j'arriverai à l'avoir plus foncé là-bas. Ouais, c'est pas mal. Ça va comme ça. Je vais attendre un petit peu. C'est bien, il est presque terminé du coup. Souple, j'ai l'impression. Je vais quand même en mettre en dessous pour voir ce que ça fait. On va utiliser la peinture que j'ai préparée déjà. Ouais, il fait un peu plus clair ici, mais bon. Oula, j'ai fait une connerie. Voilà. Là, je pense qu'il faut aller assez vite parce que je le fais en tapotant, parce que ça boit assez vite. De toute façon, ça va faire dégueulasse. Mais ça peut le faire. Ça va pas trop ressortir de l'autre côté. Voilà, pas trop insister. Normalement, parce que j'en ai partout. Là, on voit qu'il y en a un peu plus. C'est plus foncé ici que là. Faut vraiment faire attention à ça. Hein. On peut faire des grosses nuances. Ça peut être chiant. Ou alors pour mettre à balle, je sais pas, faudrait tremper dedans directement, ça irait plus vite. Voilà. Ça peut le faire, hein. Ça va le faire, de toute façon, il va falloir. Que j'en mets un petit coup sur les tranches, pourquoi pas. Ça sent super bon en tout cas. M'habituer à faire devant la caméra aussi. En tout cas, le toucher est sympa. Je sais pas si c'est la qualité de la teinte qui fait ça. Je pense que ça m'en fout sur les doigts. Pas grave.
Ouais, c'est pas mal. Peut-être qu'à force de frotter, alors ça c'est bien parce qu'un petit, même avec un collant, ça permet de faire un petit lustrage en fait, de polir légèrement la fleur du cuir. Et ça c'est bien, ça fait un petit côté brillant. Voilà, on voit que le cuir il a beaucoup plus absorbé que là. Bon, du coup, ça va quand même faire un effet vieilli. Mais c'est pas spécialement moche. J'attends que ça sèche bien avant de faire un petit coup d'abacar dessus. Je vais lui mettre un petit coup de collant. C'est super bien pour faire briller le cuir. Je vais virer mon petit pot avant de faire des conneries. C'est bien pour donner un petit côté brillant au cuir. Alors vous, je sais pas si vous allez le voir, peut-être que je me rapproche comme ça, je sais pas. Vous allez peut-être pas le voir à la caméra. Mais moi je le vois. Il faut vraiment faire attention avec la teinture, hein, les différences de. Différences de teinte. Voilà, c'est parce que j'en ai peut-être mis beaucoup ici. Vous avez peut-être trouvé que ça fait un peu beaucoup, je sais pas. On va voir ce que ça donne à la finalité. Je sais pas combien de temps je pourrais le laisser sécher, peut-être une heure. Bon, c'est quasiment sec au toucher, mais après à l'intérieur. Ce n'est pas sec. Ça m'embête un petit peu. J'ai voulu récupérer. Pas sûr que ça marche. Ah bon, il commence à rendre l'âme. Là. Il ne reste plus beaucoup de produits. Du coup, si je peux le terminer, ce serait bien. Ça évitera le gaspillage. Ah, une fois pouli, ça donne un autre aspect encore. C'est bizarre comme délire, c'est marrant. Et voilà. Ça, c'est terminé. Je vais laisser prendre un petit peu. Essayer de récupérer ça. Bah, du coup, ça ferait un petit marron clair. Là, je vais en mettre d'autres derrière exprès pour que ça absorbe. Ça va bien boire comme ça la teinture. Enfin, surtout la flotte. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, plus on en met derrière, plus ça. Que je disais tout à l'heure, c'est que ça tâche bien le. Je sais pas, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre un petit coup encore sur le. Sur la tranche. La même teinte. De toute façon, il va falloir que j'en mette un petit peu. Je vais regarder parce que lorsque je vais faire un petit coup d'abacar dessus, bah, du coup, il va falloir que j'en mette de la teinture. Alors, après, vu que j'en ai mis derrière, est-ce que. Il y en aura déjà partout, je sais pas. On va voir ça. Voilà. Pas mal. Ça me plaît bien, moi. Je vais mettre un petit coup de blaze sur mon petit bracelet. Alors, d'habitude, je le chauffe. Voilà, j'ai ça, une espèce de petit matoir. J'ai fabriqué le petit support. C'est plus facile. Avant, j'avais l'autre. J'avais acheté ça. Alors, à la limite, fabriqué moi-même, mais c'est pas grave. Et en fait, ça, c'est assez compliqué parce que je tremble. Je tremblais, en fait, pour le chauffer à la torche. Du coup, j'ai fabriqué un petit support en bois avec une vis.
Bah franchement, c'est carrément plus pratique. Je suis plus précis, je peux taper, je peux choper. Enfin non, ça c'est cool comme ça. Ça, je sais pas ce que je vais en faire. Je servirai pour autre chose. Alors, je vais laisser ce petit côté. C'est un bracelet qui est quand même relativement simple. Est-ce que je le chauffe? Est-ce que ça va peut-être pas marcher hein, du coup si je tape dessus là, on va peut-être pas voir les LED, je vais peut-être être obligé de le chauffer quand même. Pour bien le marquer, mais à mon avis, il va falloir que j'attende que ce soit bien sec. Et ça peut être pas mal. Alors, du coup, je vais en profiter pour faire une petite pause, moi, et je vous reprends une fois que le bracelet sera sec, bien sec. Et puis, enfin, vous ne verrez pas au montage, hein, vous n'allez pas voir la différence. Et moi, je vais prendre un café. Allez, à tout de suite. Donc, maintenant, il reste un petit peu à faire. Bah, j'ai essayé de mettre un petit peu d'abacar sur les arêtes, mais en fait ça fait de la daube. Je pense que vous allez me dire, mais je pense que c'est à cause de l'affûtage de mon abacar. En fait il est un peu pourri mon outil là, mais ouais, c'est un peu problématique. Ou alors c'est parce que le diamètre n'est pas le bon. Là c'est du 1, pas que du 0, alors c'est un diamètre 1, donc je ne sais pas du tout, mais vous allez voir, c'est pour ça que j'ai préféré que ça sèche bien pour que le cuir soit plus dur en fait. Hier quand même, ça retire pas grand chose. Ah, c'est quand même mieux. Bon bah là, le bracelet a déjà été teinté, mais en fait, quand on le fait avant et que le cuir il est couleur nature, si jamais on creuse de trop et que après on teint, le problème c'est que ça bave un petit peu et ça fait des grosses nuances sur le bord et c'est vraiment pas beau du tout. Mais là bon bah là ça va, mais je pense que mon outil c'est pas le must non plus hein. Par l'autre côté, ça a tendance à plier le cuir quand j'appuie. Je sais qu'il faut être à 45 degrés, bon c'est un peu plus je pense. Ouais, c'est mieux qu'hier, pour vraiment que ça sèche. Je voulais tester cette façon là parce que d'habitude je le fais avant de teindre. Vous voyez, ça peut déchirer un peu le cuir et une fois qu'on fait la teinture ensuite, bah voilà, ça bave dessus et ça fait des nuances, c'est vraiment pas beau. Et là, vu que le cuir il a bien pris la teinte, du coup ça va. Je voulais le faire dans ce sens là, dans cet ordre là. Enfin, de l'autre côté, par contre, c'est pas gagné parce que vu que c'est à moitié filandreux, ça c'est cloche à moitié. Je sais pas ce que ça va donner la bacar, mais on va voir ça. On va voir ce que ça donne, mais j'y crois pas trop par contre. On n'arrive même pas à ça, ça s'approche pas. Ça aussi c'est pas évident à faire. Hein. Je sais pas comment ils font les mecs sur internet, quand on regarde des vidéos d'autres tutos, ils découpent le cuir en one shot, ils font ça tranquille. Moi je sais pas, faut que je passe au moins 5 ou 6 pas sur Twitter avant de réussir à découper le cuir correctement. Et enfin, ou alors ils doivent couper au montage, je ne sais pas, mais c'est très bizarre. Il y a des mecs qui font tout en one shot, c'est parfait du premier coup. Moi, je sais pas comment ils font. On va faire ça comme ça. Pour le moment, ça va suffire. Et si ça se trouve, bon, c'est pas très grave, même si les arêtes elles sont pas totalement si le chanfrein n'a pas été très bien fait, je pense qu'une fois que je vais passer un coup de brunissoir dessus, ça va écraser un peu les angles, ça se verra pas, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Bon, après, c'est un petit bracelet, c'est pas non plus, c'est pas un 5 à main non plus. Hein. Mais vous voyez, ça retire rien du tout et ça me plaît pas beaucoup, cette histoire-là. Alors, je pense que voilà, il faut pas trop insister, hein, de peur d'arracher le cuir. Ouais, ça retire, ouais, c'est vraiment vite fait. Hein. Voilà, c'est même pas la peine, ça retire rien du tout. Par contre, côté fleurs, c'est vrai qu'on voit encore la coupe du cutter, c'est un peu dommage. Je vais essayer de vous montrer de près après. De près après, c'est un peu con à dire. Et les arrondis à faire à la bacar, ça c'est pareil, hein, c'est vraiment pas évident.
faire cuire plus qu'autre chose. Puis alors, mon truc il coupe pas trop. Il va falloir que je me renseigne à ce niveau-là. Si jamais vous pouvez m'aider dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis preneur en conseil. Et puis voilà. Par contre, je voulais faire mettre mon petit blaze sur l'arrière du cuir. Donc je vais essayer de le chauffer avec la torche. Mais le truc, c'est que voilà, la dernière fois que j'avais essayé, voilà, le cuir était un petit peu... ça avait bien loupé, en fait. C'est pourri, en fait, ce que ça avait donné comme résultat. Bon, j'ai un petit martyr, je vais le tester avant. Hein. J'avais testé vite fait le point de chauffe. Mais quand ça s'effiloche comme ça, c'est fou. Hein. Et ça se barre en lambeaux comme ça. Ça m'étonnerait que ça fasse un beau résultat. Mais on va essayer quand même. C'est pas grave, c'est le but de la vidéo. Là, on va dire que c'est un petit peu expérimental. Hein. Et puis ça, c'est pareil. Hein. C'est vraiment... alors, je peux le faire en mode matoir. Donc, il suffit de mouiller le cuir, d'humidifier un peu et de taper. Voilà, comme pour les matoirs. Mais on peut aussi le chauffer. Alors, c'est du laiton. Mais alors, ça, c'est pareil. Je sais pas trop. Ça risque de faire de la daube. Je vous préviens tout de suite. Ça risque d'être un peu mauvais parce que c'est... vous avez une chance sur deux de vous louper, en fait. Avec la torche, tout dépend le nombre de temps que vous chauffez. Tout dépend du nombre de temps que vous restez appuyé dessus. Alors là, vous voyez mon interface de streaming de Twitch. Là, voilà, face à la caméra. Si vous restez trop longtemps, bah, évidemment, ça crame le cuir. Donc, ça peut faire plus ou moins noirci. Il y en a où j'ai réussi à les faire du premier coup. J'ai pas de modèle là. Alors, si ça pouvait donner cet aspect-là, ce serait bien. Ça, c'est mon martyr. Donc, on va tester ça. Puis c'est pareil, hein, si jamais vous faites des articles pour vous, il faut vraiment le faire en one shot en fait, et il faut penser à le mettre droit et être assez rapide. C'est vraiment du feeling, je sais pas comment dire, je sais pas comment ils font non plus. C'est un coup de chance, une chance sur deux. Donc on va tester, on va le chauffer un peu. Je vais le tester sur un autre petit morceau, donc celui-là qui est bien. Juste pour voir le temps de chauffe. Le cramer ce serait bien. Je sais que quand quand le laiton est assez chaud, il change légèrement de couleur. Je ne voudrais pas carboniser le cuir. Je vais cramer mon manche surtout. Je vais régler un petit peu fort là la torche. On va voir ce que ça donne. Faut vraiment faire un test avant sur une chute. On va voir ce que ça donne déjà là. Ouais, ça n'a même pas chauffé en fait. Faut faire vraiment attention de ne pas se brûler. Hein. Bon, ça va, c'est pas de l'acétylène non plus. Ouais, j'ai l'impression que le laiton change de couleur légèrement. Là, on voit qu'il chauffe un petit peu. Mais ça peut le faire. Hein. Ah là, c'est à moitié collé. Là, je suis resté trop longtemps. Alors, après, ça va. Ça va. Est-ce que j'ai besoin de le rechauffer ou pas? Très vite fait. Et là, je pense qu'il faut y aller assez rapidement. Voilà, j'ai du cuir qui est resté collé sur le truc. Là, je trouve... que j'ai pas sous la main. Vraiment que ce soit propre. Qu'est-ce que j'ai comme brosse? J'ai une brosse métallique par là. Alors je voudrais pas abîmer le. Là, je peux faire tomber. Je voudrais pas abîmer les caractères. Les caractères du. Qu'est-ce que ça donne là? Il a dû perdre un peu en température. Il faut que je chauffe du coup. Légèrement. Alors je sais pas, il faudrait peut-être chronométrer le nombre de temps pour le chauffer, chronométrer. Enfin, je pense qu'il faut appuyer 2 ou 3 secondes sur le cuir. Pour pas trop le marquer justement, c'est vraiment pas facile à faire. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. Alors le truc c'est qu'il faut pas
Plus vous y touchez, pire ce sera. Bon, allez, vas-y, on tente. On va voir ce que ça donne. Alors, faut être droit quand même, c'est mieux. On entend bruit. Ouais, ben voilà, ça fait de la merde. Bien ce que je pensais. Je préfère. Alors, faut que je mette ça pour pas que ça crame. Pas là-dessus. Voilà le résultat pourri. Faut pas faire ça sur du cuir teinté. Et à chaque fois, je me fais avoir. Il faut que je pense à le faire. Quand je le fais, quand je le laisse brut, en fait, ça fait plus joli, quoi. Et comme le cuir, il est très filandreux. Sur la chute que j'ai utilisé, bah voilà, ça, à chaque fois ça me fait ça. Bon, bah, tant pis, hein. Ça va rester comme ça, je m'en fiche. De toute façon, c'est pour moi. Il faut vraiment faire attention à ça. De toute façon, avec le temps, je pense que ça se dépassera. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire à l'intérieur, au moins bah, il y a moins de problèmes. Alors, on va mettre la pression. Et j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs modèles. Enfin, j'ai plusieurs coloris, disons. On va voir lequel correspondrait le mieux au bracelet. Alors j'ai quatre couleurs et je pense qu'en noir ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. À voir. En jaune, jaune, ouais, ça m'étonnerait que ce soit joli ça. Ah après pourquoi pas. Ah si, peut-être. Ça peut être pas mal aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est pas mon préféré. Ouais, en nickel, ça peut être pas mal aussi. Ouais, ça passe. Donc après, hein, les couleurs, ça dépend de vous. Ouais, ça fait un petit côté bronze. Un petit côté bronze, un petit côté laiton. Donc je ne sais pas du tout. Et je pense que je vais partir. Ouais. Je vais mettre le noir. Joli avec ça aussi. Ouais, je vais plutôt mettre un chromé. Hop là, je ne les mélange pas. On va ranger ça avant de les renverser. C'est vraiment pas long à faire. Bon, bah là, je mets du temps parce que j'essaie d'expliquer 2-3 trucs et puis un petit peu mon ressenti par rapport à cette. Ce petit exercice, mais franchement c'est pas très long à faire, hein. Par contre c'est comme tout, faut prendre son temps pour le faire, ça sert à rien de se speeder. Alors voyons voir maintenant que je me souvienne comment ça se met. Ça va avec ça et ces deux là ensemble. Ah ben c'est bon. Alors je vais remettre la caméra sur mon petit étau, parce que ça va être plus simple pour taper, quoique j'ai ça. Ouais, je vais quand même déplacer la caméra sur l'étau. Voilà. C'est vraiment pratique pour le petit truc, ça me sert un petit peu d'enclume en fait. Alors, je ne me gourre pas de sens, parce que ça faut pas se planté, sinon bah, on a l'air con. Ah, c'est chiant hein, pour mon petit blaze, à chaque fois je me craque avec ça. Il va vraiment falloir que je trouve la bonne recette pour le faire correctement, ce machin là. Donc c'est ça et ça qui vont ensemble. Hop. Et on va repousser. Vérifier avant quand même. Non, c'est pas de l'autre côté qui serait le mieux pour le dessus. C'est moins long là, faut pas que ça dépasse de trop en fait sur l'extérieur, sinon ça fait bizarre quand vous l'avez au poignet en fait. Allez, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de l'autre petit. Abattoir, je pense que ça peut s'appeler. Je crois que c'est celui-là.
je rentre à l'intérieur. Alors ça écarte un petit peu les ressorts. Il y en a qui ont des espèces de pressoirs, des presses manuelles. Et c'est vraiment pas mal. Alors, ça coûte très très cher par contre. Et c'est vraiment pratique. En plus par l'ancienne. Hop là. Et ça marche très bien comme ça aussi. Je vais positionner correctement quand même. Peut-être pas besoin de taper comme un bourrin non plus. Que ça donne, alors ça a bougé un petit peu les petits ressorts à l'intérieur. Je sais pas si vous allez très bien voir, si la caméra a fait sa mise au point. Ouais, ça n'a pas marché, mais bref, c'est pas grave. Bah, du coup, quand ça me fait ça, j'utilise le petit pic. Tout simplement, les ressorts, je les tords légèrement vers le centre. Ça tient bien l'autre partie de la pression. Avec un petit tournevis de précision, ça peut marcher aussi. Je vais vous mettre une photo dans le montage de près. Voilà. J'ai peut-être même un petit peu trop tordu. On va pas voir, mais je vais vous mettre des photos sur la diffusion, ce sera plus simple. Je vais faire un gros plan. On va faire l'autre côté. Hop, là je tourne la petite pièce. Et surtout, il faut pas se craquer. Mettre dans le bon sens. Donc, je vais dire que ça va en dessous de la petite pièce. Voilà. C'est pas mal. Hein. On va faire le travail, on va faire le bruit de message après, enfin, plus tard avant aussi. Hein. C'est ça. Alors, je vais reprendre le petit truc. Et là, il faut que je prenne le transport de pièces. Là. Et on va servir tout ça. Normalement c'est bon. C'est un peu trop tapé même d'ailleurs. J'ai l'impression que ouais, j'étais peut-être un peu trop tordu. Ça va se faire. Ah, c'est bon. C'est un petit peu dur quand même, mais je pense que ça va se faire. Bah, au moins il va pas se barrer. Hein. Pourquoi il va pas partir? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va faire le travail de tranche parce que là du coup ça fait pas du tout fini et on terminera ce petit bracelet avec un petit graissage. Ouais, c'est ça, un petit graissage, et ça devrait le faire. Ouais, ça tient bien comme ça. Pour la bacar, ça va vraiment falloir remédier au problème. Je vais tirer mes gants et puis on va lui mettre un petit coup de graisse, mais avant, hop là, un petit coup de brunissoir. Pas hyper fan de ces modèles là, hein. Moi j'en ai acheté sur qui s'adapte sur Dremel ou accessoirement une perceuse à colonne, et je trouve que ça fait carrément mieux le job en fait. Mais on va le faire, je veux tester avec ça quand même. Alors, on va prendre la gomme à dragante ou arabique. Et je pense que je vais même prendre. Alors c'est la même chose, en principe c'est la même chose. Mais bon, je crois que c'est encore une question de goût de chacun. Je prends celui-là comme à dragante. Parce que je préfère l'autre, mais bah je vais en prendre deux ce petit pot là. Hop. Et on va pouvoir en mettre un petit peu. Alors, vous pouvez utiliser ça avec la teinture directement, moi je vais le mettre pur. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais en général ça fait bien le job malgré tout. Je
vais voir hein, si vraiment avec le brunissoir ça fait les... pas le travail que je souhaite, enfin la finition que je désire. On va se mettre sur la perceuse à colonne et on va voir ce que ça donne. Alors il y a un autre produit qui s'appelle Codot, quelque chose comme ça. Tout le monde utilise ça. Je veux dire, par m'en procurer un pot de Conol et puis bah, pour tester. Les mecs ils sont tous une espèce de crème blanche, ils étalent tout ça à la main. Vous voyez, ça retire même un peu de ceinture sur le coton-tige. Le coton-tige, je sais pas le. Ouais, j'ai un peu du process. Je vais reprendre mon autre petit pinceau, je vais tout ça tenir sous la main. Premier truc que j'ai saisi. On va pas un pinceau, tampon d'éponge ou coton-tige, j'en ai même en silicone, des trucs comme ça. Chacun trouve son aise. Il y a même des espèces de petits roues, des petits crayons en fait, avec un petit tampon béton conique. Et ça tourne en fait. On va voir ce que ça donne ça aussi. Donc, je vais déjà mettre un peu de brunissoir dessus. Avant de faire l'autre côté. Normalement c'est mieux de faire ça quand le cuir il est légèrement humide en fait. D'après des tutos de professionnels je précise. Enfin, c'est comme je disais, hein, y a plusieurs façons de procéder. Hein. Après ce qui compte c'est le résultat final j'ai envie de dire. De toute façon c'est pas un concours. Et je suis pas doté non plus sur la technique. Par contre je veux un résultat correct, j'allais dire parfait, ça peut pas être parfait, c'est impossible, mais je veux quand même une bonne qualité. Pas des clodos, on va essayer de faire ça correctement quand même. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les brunissoirs, parce que ça tord un petit peu le cuir. Alors je sais pas, j'en ai vu utiliser des... bon là c'est un bracelet, c'est pas non plus très grave, mais j'en ai vu utiliser ce genre de choses. Mais en fait, faut faire attention parce que ça marque le cuir. Alors en dessous c'est pas très grave mais sur le dessus sur la fleur voilà si ça va le marquer bon, faut pas le faire ou alors faut mettre un martyr quoi. Ouais, c'est pas con ça. Est-ce que ça marcherait mieux, je vais prendre mon autre bracelet qui était un petit peu loupé. On va voir si ça marche comme ça. Est-ce que ça va être plus pratique? Ouais peut-être ouais. Ah ouais. Ouais c'est pas mal. Peut-être le mettre plus haut quand même. Bah du coup mon bracelet que j'ai foiré, ça se trouve je vais le garder pour le noir là, je vais le garder pour faire ça en fait. Ah c'est mieux parce que voilà on peut aller plus vite, au moins ça va bien chauffer et ça devrait être pas trop mal. Ça évite que ça se torde dans la main. Ah, j'innove en même temps. Je vais décaler un petit peu. De toute façon vu le dessous comment il s'effrite, ça devrait pas trop le marquer. Alors j'aurais pu mettre de la teinture de tranche aussi, hein. J'en ai de la teinture de tranche. Hein. Et je trouve même que la teinture de tranche fait mieux le travail. Parce que là, évidemment avec la caméra on va pas voir, ça a foncé un petit peu, mais on voit des j'ai mis de la teinte, enfin la même teinture en fait sur la tranche, ça fait des endroits un petit peu plus clairs. Donc avec ça, ça fonce, mais ça fonce pas partout. C'est peu uniforme en fait. Et la teinture de tranche exprès, ça fait court, je trouve qu'elle finit mieux le travail en fait. Après ça dépend de la finition désirée, ça peut être fait volontairement aussi. On va tester après sur la perceuse à colonne, on va faire les deux façons différentes. Je vais déplacer la caméra une fois que je vais finir ce côté là, et puis on va voir ce que ça donne avec les autres petits embouts. Là faut y aller tranquille quand même, hein. Faut pas forcer comme un porc non plus puisque de toute façon le cuir se tord. Et ce serait un peu dommage. Il garde la forme. Faut aller vite, mais faut avoir la main légère quand même. C'est dommage qu'il s'effrite, hein, ça fait bizarre. Hein. Alors après, il y a d'autres solutions aussi. J'en ai vu qui utilisaient, comment dire, une espèce de petit pain de miel, là, comment ça s'appelle. Et en fait, moi je m'en sers pour poisser mon fil lorsque je fais des coutures. Et en fait ils en passent sur les tranches et après avec une espèce de fer à souder
bah, il chauffe un petit peu le bord, ça cuit. Alors bah, faut pas se craquer non plus parce que vous pouvez cramer le cuir, ça peut faire des effets un petit peu noircis. Bah, ça c'est un peu dommage. Après bon, je sais pas, à tester. J'ai essayé une fois, je crois. Bon, ça va, ça dépend. Chacun trouve. Il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs recettes en fait. Plusieurs recettes pour faire un seul et même article. Je pense que c'est une question de mission d'aise en fait, selon chacun. Alors voilà, les arrondis, c'est pas ce que je préfère le faire non plus, surtout avec un bon histoire. On va pouvoir comparer les deux. Ouais, on va se mettre sur la perceuse à colonne, parce que ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas ce truc. On va se mettre sur la perceuse à colonne. Bon, j'aurais pu le faire avec la Dremel, mais on va voir ce que ça donne avec la perceuse à colonne. Pour voir la différence. Je déplace la caméra et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, maintenant que tout est installé, on va pouvoir passer à l'autre côté pour mettre de la gomme à dragante. Et on va voir ce que ça donne avec la perceuse à colonne. On va pouvoir allumer la mécane. Par contre, ça va faire un petit peu de bruit. C'est parti. Alors, c'est celui du dessous qui m'intéresse. Voilà, alors c'est pas mal, c'est pas mal, c'est quand même mieux qu'avec le brunissoir manuel, j'ai envie de dire. Hein, faut que je fasse attention parce que j'ai fait une petite marque avec mes ongles sur le cuir. C'est pas mal. Alors je vais remettre la caméra sur le plan de travail. Voilà, alors je comparerai les deux produits, hein, gomme à dragante et gomme arabique, pour voir la différence. Celui-là, je l'avais vraiment bien fait en fait. Sur le côté. Je vais vous mettre des photos hein, en illustration dans la vidéo parce que là avec je fais la webcam hein, donc du coup ça donne pas une superbe qualité mais ouais c'est pas mal. L'autre j'étais bien gavé quand même. Mais c'est pas le même cuir, hein, c'est pas du tout le même cuir. Sur souplesse c'est à peu près pareil, peut-être un peu plus rigide que celui-là quand même. Mais c'est bien qu'il fasse à moitié un petit effet moumoute comme ça en fait, côté cou. Après c'est pas désagréable non plus, c'est rigolo. C'est dommage pour les cuissons par contre, enfin pour le blaze, mais bon, tant pis. Ça va vraiment falloir que je fasse attention avec ça parce que voilà, vous finissez un article entre guillemets et puis vous foirez vite avec un truc dead. Dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, les couleurs sont sympas. C'est vraiment sympa comme couleur. Les deux sont intéressants. Ouais, ça me plaît bien quand même. Alors. On va le finir avec un petit coup de graissage quand même. Hein. La teinture elle va rester comme ça. Les finitions de tranches, c'est pas mal quand même. Hein. Mais j'aurais pu faire mieux. Et là j'avais fait quoi? Est-ce que j'avais mis. Mais là je crois que j'avais mis de la teinture de tranche directement en fait. C'est pour ça qu'on a une différence. Enfin, il est plus propre celui-là en fait. Mais bon, je pense qu'il y a plusieurs façons de procéder. Et puis à chacun de trouver la meilleure solution. Allez, du coup, on va mettre un petit coup de graisse. Alors moi, j'utilise ça, c'est un truc pour les... C'est pas du tout fait de bœuf, hein, c'est des trucs pour chevaux, c'est très connu, il y en a partout, machin, bon. Je sais pas si c'est le meilleur des produits. Ah si, j'avais ça aussi, je voulais vous poser la question. Si jamais il y a des connaisseurs dans les viewers, alors j'avais acheté ces produits-là, en fait. Ils sont connus, hein, c'est encore de chez Pinks, Tancott. Voilà, il y en a un c'est du vernis pour cuir et l'autre c'est du protection pour cuir. Je suis incapable de faire la différence entre ces deux produits. Bon, le vernis je pense que c'est pour éviter la flotte, tout ça après pas une teinture mais de la peinture.
Et la protection pour cuir, je sais pas, ça doit être un genre de imperméabilisant, mais je sais pas, je sais absolument pas. Après, on peut tester, hein. Alors, on va essayer quand même la protection. Alors, le vernis, peut-être pas. Le vernis, je vais peut-être pas en mettre, peut-être pas pour ce genre d'article. Ça peut le faire. On va voir ce que ça donne. Hein. Franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Là, je suis vraiment en phase expérimentale. Bon, je vais en prendre dans le bouchon, parce que dans le bouchon, il y en a. On va traîner. Ça se trouve, ça va faire de la daube. Non, c'est pas grave. Bah, j'en refais un autre et puis c'est tout. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Je sais pas si c'est efficace. Alors, j'en mets côté fleurs. Est-ce qu'il faut en mettre côté croûte? Je ne sais pas non plus. Ça, c'est vraiment, voilà, on voit toutes les petites problématiques que je rencontre généralement. C'est pour ça que je fais un petit peu cette vidéo, en fait, pour voir avec vous, avec votre expérience, en plus de la mienne, que l'on trouve les meilleures solutions pour remédier à tous ces petits problèmes. C'est pas des problèmes de haut niveau non plus. Mais voilà, c'est des petites questions auxquelles je me pose. Pourtant j'ai fait des recherches, hein. J'ai fait des recherches, mais j'arrive pas à avoir les réponses que je veux. Alors bon, bah, du coup, j'ai décidé d'en faire des vidéos. Ce sera aussi simple pour interagir avec, avec tous les internautes. J'espère une petite, avec une petite communauté sur YouTube. Des fois c'est tout aussi efficace d'apprendre tous ensemble. Alors bon. Je sais pas combien de temps ça sèche. J'avais déjà lu, mais je me rappelle plus. Je vais attendre un petit peu. Est-ce que j'en mets derrière? J'en mets derrière ou pas? On va essayer sur un petit morceau pour voir ce que ça donne. Peut-être pas besoin, mais vu comment ça boit la flotte, peut-être que le vernis va faire en sorte que bah, toutes les fibres vont se coller. Ouais, c'est un peu le bordel ça, les fibres. C'est chelou comme délire ça. Ça, par contre, ça aurait bien été pratique pour mettre sur mon strop là pour affûter les outils. Enfin, c'était une chute. Oula, ça a mis beaucoup là. Je vais voir. Franchement, on va tester. On va voir ce que ça donne. Ça va peut-être apporter un petit côté brillant. Donc là, c'est la protection pour cuir. Hein. C'est pas du vernis que je mets. Hein. Je crois que j'aurais pu faire un autre prototype avec, avec un autre bracelet et le vernis pour voir ce que ça donne. Je pense que la protection pour cuir va donner un petit côté imperméable en fait. J'ai peut-être dû le graisser avant. Ou pas. Non, bah après c'est plus logique. Si ça se trouve, j'ai même pas besoin de le graisser pour nourrir le cuir. Alors par contre voilà, je fasse gaffe à ça, parce que si j'en mets trop, ça risque de se revoir de l'autre côté. Mais là ça a l'air d'aller quand même. Bien à moitié sec. Ouais, vite fait. Vite fait sec derrière. Pas trop appuyé pour pas que ça en coupe partout. Donc, je suis parti pour en mettre sur toute la longueur. Le graisser du coup. Ça va être un peu compliqué. Le côté vient chiffon après, vraiment pour que ça reste assez léger. C'est la deuxième fois que j'utilise ce produit. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas vu la différence. Pas que ça fasse poisseux non plus. Je l'aurais pas fait, hein. J'en aurais pas mis sur ce genre de cuir. Hein. Le côté croûte, il est très propre dessous, il est clean. D'ailleurs, c'est bien. Je n'en aurais pas mis parce que voilà, je veux pas que ça fasse. Là, c'est vraiment parce que ça part en petite pluche. C'est un peu bizarre comme cuir là. Bon, c'est une chute. Un vernis aurait suffi tout simplement. L'autre, il n'y a rien eu. Hein. J'ai juste graissé la fleur en fait. Pour le protéger un peu. Dessous, il n'y a rien. Alors, je sais pas s'il faut que je mette quelque chose. Je sais pas si c'est nécessaire, si c'est obligatoire, enfin, si c'est impératif. De la peau, mais non, celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon, mais voilà. Celui-là, vu qu'il n'a pas de protection en dessous, vu
touché au contact de la peau, je pense qu'avec la transpiration, tout ça, ça risque de ternir. J'allais dire verdir, mais bon, c'est pas une bague non plus, mais ouais, ça risque de faire un petit côté sale en fait. Ouais, alors à voir, à voir. Peut-être que là, il aura fallu un petit vernis, je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires si vous en savez plus pour les questions, sur les questions que je me pose, que vous posez peut-être aussi. Mais du coup, c'est bien, on fait l'expérience ensemble. Tellement de produits, tellement de façons différentes de procéder que à force on ne sait plus. Et les formateurs, les formations qui sont proposées, ça c'est pareil. C'est comme en cuisine, il n'y a pas un seul formateur qui va dire la même chose. Chacun a sa façon de procéder. C'est un peu chiant d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui va dire A, l'autre qui va dire B, l'autre qui va dire C, et il y en a plein qui fait la même chose en fait. Bon, les résultats sont tous bien. Hein. Je ne critique pas les formateurs. Loin de là. Alors voilà, du coup, ça, mon tapis était sale et ça a foutu un petit peu de saloperie sur mon cuir. Ah, ça va. Ah, ça fait un côté brillant. Ah, ça va sécher assez vite. Enfin, je suis à moitié dyslexique des fois là. Je bafouille, je bégaye. Alors, et si je mettais un petit coup de chiffon pour voir? Du coup, ça va ressortir les fibres si je fais ça. Ou les coller. Je ne sais pas. Normalement, dans le sens de la peau. Mais alors là, ça part tellement dans tous les sens que... Aucune idée. Ouais, ça a l'air d'aller quand même. Ça a l'air de sécher assez vite. Bon, je ne sais pas si ça va rester comme ça. Je vais même écraser un peu les fibres et les aplatir dans le même sens. Je pense que ça fera un peu plus joli. Bah, du coup, mon logo, on le voit carrément plus. Donc, hein, évitez de faire ça, je pense, parce que. Ah, c'est de loin ça va, mais de près c'est nul. J'aime pas du tout. C'est collant, mais ça va encore. Alors, est-ce que je le graisse? La grande question. Ça serait mieux quand même, mais maintenant que j'ai mis une protection pour cuir, c'est pas dit que la graisse. Je un peu quand même. Pas dit que la graisse pénètre dans le cuir. Ah, c'est pas mal, peut-être un petit côté brillant en fait. Bon, bah, on va quand même mettre de la graisse et je verrai demain de toute façon quel effet ça fait. Alors, hop, la petite brosse qui va bien. On va peut-être lui mettre ça au doigt plutôt. Oh, le mélange. Ah, ça sent bon ça. Ah, au moins, faut voir le bon côté des choses, c'est que les fibres de tout à l'heure, c'est mieux. Je trouve ça mieux. Hein. Je pense que ça va sécher. Un petit côté mouillé. Mais bon. C'est quand même mieux. Hein. Ça fait moins bazar. Je vais l'appliquer au doigt cette putain. Dans le même sens, j'en mets un petit coup de brosse histoire de retirer le surplus de la graisse. Du coup, le cuir absorbe quand même. Ça va pas ressortir trop de l'autre côté hein, parce que là, ça va faire des nuances super moches et ça va me gonfler si ça fait ce résultat. Mais ça a l'air d'aller quand même. Il va être full gras le truc là. Ça a peut-être mis un peu beaucoup. Brosse. On est peut-être mis un petit peu trop. Peut-être c'est même sûr. C'est pour ça elle est très pratique cette brosse. Alors c'est un poil qui est très souple, hein. Attention, hein. C'est pas une brosse métallique non plus. Hein. C'est pas abîmer le cuir non plus. C'est une brosse spéciale pour chaussures ça. Alors par contre attention, hein. Jamais de cirage, ça c'est sûr, je le sais, c'est sûr, jamais de cirage sur les objets en cuir. Le cirage c'est uniquement pour les pompes. Ça c'est sûr et formel.
Après, peut-être que les cordonniers ils ont une autre version, mais en tout cas, moi je sais que ça, faut pas le faire. Enfin, c'est même un cordonnier qui me l'a dit. Alors après, c'était pareil, si les cordonniers ils ont entre eux des versions différentes chacun. Déjà, j'ai envie de dire, le travail du cuir, c'est très relatif entre les bourreliers, entre les cordonniers, entre les harnacheurs, entre la maroquinerie. Travail du cuir, sellier, c'est pareil. Il y a tellement de filières différentes que à la fin, on ne sait plus. Bourrelier, il me semble que c'est pour faire des revêtements de fauteuil. Hein. Moi, si je me trompe, je ne sais plus. J'avais regardé sur Internet et puis sur Internet, Google, c'est pareil. Hein. Il nage un petit peu dans les informations. Donc le travail du cuir, vaut mieux employer ce terme-là, je le préfère. Au moins, on est tous d'accord. Au moins, on ne peut pas se tromper. Alors, tac. Plein les doigts. On va voir ce que ça donne après. Finir le graissage. Bah, c'est quand même plus pratique. La texture, elle est super sympa. Par contre. C'est quand même plus pratique d'étaler ça, la graisse au doigt. Précis. Par contre, vraiment retirer le surplus avec une petite brosse et puis accessoirement le petit collant. Peut-être pas besoin de faire les deux, faudrait que je pose la question, parce que alors là, je ne sais pas du tout. Bah, au moins, là, mon bracelet il est protégé. Hein. Il y a forcément des produits que je connais pas, que j'ignore, hein, qui sont peut-être très très bien. A vous de me dire dans les commentaires si vous en connaissez des biens, la procédure. À partir du moment que ce soit dit gentiment, n'est-ce pas? N'est-ce pas les amis? Avec courtoisie et avec le sourire. On est là pour partager les expériences, les astuces, les idées. On n'est pas là pour se clasher. Bien au contraire. Pour rester quand même un petit peu un minimum civique. Remarquez que sur la communauté YouTube, des fois dans certaines vidéos, les gens ça pardonne pas. On n'a pas droit à l'erreur quand on est youtubeur. C'est un petit peu dommage en fait. Là, c'est pas mal hein, franchement, là, je suis content de mon résultat. Bah, par contre, il est un peu gras là, du coup, c'est sûr. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça sert à rien de mettre 250 produits dessus. Là, j'ai juste mis une protection, un petit coup de graissage, et je pense que quand ça va bien sécher, ça sera pas mal. Déjà, le toucher, un petit peu de plastique, c'est cool. C'est pas désagréable. Un petit peu déçu du dessous, mais bon. Après, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Là. Mais ça fait un moment que je voulais retester ce petit produit là de Tancoff, là, de protection pour cuir. Franchement, à étudier. Faites-moi ressortir votre expérience aussi du cuir, ça m'intéresse énormément. Et peut-être que je reverrai ma façon de travailler. Ceci dit, bon, bah là c'est propre, hein, ça fait un petit bracelet sympa. Il y a un petit peu de travers hein, quand j'ai coupé avec le trap cutter. Très bonne bécane ça, hein. Franchement, je kiffe. Très bon truc. Bon, voilà, je termine cette diffusion. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager votre avis gentiment dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Salut tout le monde. Thank you.